Saito est un peintre japonais impressionniste qui a été un des pionniers de la modernisation de l'art dans son pays. En permettant à l'art yoga, donc yoga en japonais, ce qui signifie l'art occidental, de s'y épanouir fort de sa formation auprès de Raphaël Collin en France. Et d'ailleurs, il est tellement tombé amoureux de notre culture française qu'il a décidé de s'y installer en 1926, et pas dans n'importe quel endroit, mais chez nous, en Sarthe, au château, au manoir de Venevel, un endroit inspirant et où il a retrouvé la quiétude de son Japon natal. Nous allons rencontrer à présent Emmanuel Divoire, le nouveau propriétaire, qui va nous conter son histoire. Suivez-moi. Donc nous voici arrivés à Luché-Pringer. Je me trouve avec Marc Léchave, qui est donc le maire de Luché-Pringer. Bonjour Marc, comment allez-vous ? Bonjour, bien, et vous ? Écoutez, ça va très très bien. Enfin, c'est un petit peu pluvieux. Non plus, voilà. Exactement. Mais bon. Alors expliquez-nous un petit peu le contexte de cette journée, de cet événement. Ben écoutez, c'est simple. On fait partie donc d'une association départementale des petits caractères. Et tous les ans, on doit créer une manifestation qui a trait au patrimoine. On doit le mettre en valeur, essayer de faire participer les habitants. Et même aller un peu plus loin, quelques dégustations de produits locaux. Voilà. Donc c'est une tradition. Tous les ans, on a une telle manifestation. Cette année, c'est Venevel. On choisit toujours, bien entendu, des... d'exception. Exactement, voilà. Alors, malheureusement, la pluie, c'est dommage, mais... Ça n'empêche pas les gens d'être venus. Tout à fait, d'autant plus qu'il y a des jardins absolument magnifiques. Il en parlera, Emmanuel, mais sur le principe, ça vaut le détour, ça vaut la balade, quoi. C'est formidable. Oui, un jardin remarquable. Alors, c'est vrai que sous la pluie, c'est un petit peu moins... Voilà, mais on a hâte de voir ça. Voilà, et nous, ça nous permet de continuer de faire partie des petits caractères parce qu'on répond à la charte, on répond à nos obligations et surtout, on aime beaucoup ce genre de manifestations qui mettent Luché en évidence. Quoi, voilà. Vous pouvez être fier d'avoir de tels lieux qui font partie de votre commune, surtout. Tout à fait, oui, tout à fait. On a quand même plusieurs châteaux, dont celui-ci. Enfin, c'est un manoir, mais bon, quand même, il est remarquable, absolument remarquable. Voilà, donc c'est une coïncidence incroyable de savoir que Saito a vécu ici. Saito, donc peintre impressionniste hein, qui a marqué donc, l'impressionnisme, qui a permis à l'art occidental de se développer au Japon, dans son pays. Tout à fait. Et chose étonnante, eh ben, il est enterré dans le cimetière de Luché-Pringer. Voilà. C'est quand même un détour, il faut faire ça. Voilà. Très bien. Alors, du coup, je vais peut-être m'adresser à présent, merci Marc pour ces précisions, au propriétaire des lieux, qui est donc Emmanuel Divoire. Divoire, quel joli nom, Divoire. C'est très gentil de le dire, mais je ne suis absolument pour rien. Alors Emmanuel, d'abord, depuis combien de temps êtes-vous propriétaire de ce magnifique lieu ? Écoutez, c'était la maison de mes grands-parents. Donc c'est une maison que je connais depuis toujours. Puisque c'est une maison de famille, oui, depuis pas si longtemps que ça, puisque mes grands-parents l'avaient acheté à ce fameux peintre japonais, Toyosaku Saito, dont on va un petit peu parler, en 1955. Et donc moi, c'était un peu avant ma naissance. Et donc c'est une maison que j'ai connue... dès les premières semaines de mon existence, voilà. À laquelle vous êtes très attaché, évidemment. Ben, c'est une maison qui est évidemment pleine de souvenirs. Et j'ai toujours eu un petit peu l'idée qu'à ma retraite, je m'y installerai. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, où nous trouvons-nous précisément? Alors, là, nous nous trouvons précisément dans la chapelle, l'ancienne chapelle du manoir. Chapelle de quelle époque? Une chapelle on sait assez bien la dater, puisqu'on sait qu'elle a été consacrée en 1503. Donc, c'est une chapelle qui est de la fin du XVe siècle, les toutes dernières années du XVe siècle, très typique de l'architecture de l'époque, avec ces voûtes qu'on appelle des voûtes plantagenais, ou voûtes angevines, qu'on retrouve dans d'autres lieux de la région, comme dans l'église de Luché. Voilà. Une chapelle très sobre, mais que j'aime bien. Je trouve que c'est une architecture assez à la fois simple et élégante. Oui, voilà. Avec une très jolie acoustique, voilà. Par ailleurs. Avec une jolie acoustique. Et donc, vous avez choisi d'exposer certaines des œuvres de Saito dans ce lieu. Voilà. Alors, ce lieu, il se trouve que Saito en avait fait son atelier de peinture. Voilà, il avait d'ailleurs percé des grandes baies vitrées dans les deux murs que nous avons derrière nous. Baies vitrées qui ont été remplacées par des fenêtres, des ouvertures un petit peu plus dans l'esprit de la construction d'origine. On a ajouté des vitraux modernes, mais d'inspiration un petit peu voilà, conforme à ce qu'on peut attendre dans un lieu du XVe siècle. Mais toujours est-il qu'un petit peu en mémoire de cette fonction d'atelier qu'a eu cette chapelle pendant 25 ans, on s'est dit que ce serait une bonne idée effectivement d'exposer des tableaux ou des reproductions de tableaux de Saito dans cette chapelle.
Il paraît que Saito, en fait, le jardin donc du manoir est un jardin à la franglaise, à savoir avec des contours français, un côté un peu sauvage. Alors, disons que c'est un jardin à la française qui a été négligé. Et donc, c'est pas pareil. On dit élégamment que c'est un jardin à la franglaise. C'est très aimable à vous de le qualifier de cette manière-là. Non, c'est un jardin dans lequel il y a encore beaucoup de travail à faire. Je pense que ça sera l'œuvre d'une vie ou de plusieurs vies. Le plan est un plan à la française, effectivement. Je pense que Saito, pendant les 25 ans qu'il a passé dans cette maison, a beaucoup transformé ce jardin. Par des plantations. Je pense que les grands magnolias qu'on y voit sont des plantations qu'il a choisies. De même, vous verrez un grand liquidambar qui se trouve au fond du jardin, près de la rivière. C'est sans doute également lui qui l'a planté. Et puis il y a d'autres exemples, ce qu'on appelle des faux tulipiers, qui sont une autre variété de magnolia. Tout ça, c'est également son œuvre. Et c'est ce qui fait, vous pensez, en fait, il a voulu reproduire d'une certaine manière la quiétude de son pays natal, le Japon, par ses plantations. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire ça. Quand vous regardez un petit peu sa peinture, vous vous apercevez d'abord qu'il y a plusieurs époques dans sa peinture et qu'il est finalement à l'intersection d'influences diverses. Il a certainement été dans sa jeunesse très influencé par l'impressionnisme français, notamment par le pointillisme français. On sait qu'il a rencontré Monet, on a même des photos du jeune Saito rendant visite au vieux Monet à Giverny. C'est ce qui lui a donné envie de vivre justement dans un château, dans une bâtisse de terre. On peut tout imaginer. C'était un jeune japonais d'une famille d'industriels qui ne devait pas avoir besoin de travailler pour vivre et qui a pu donc donner libre cours à sa passion qui était la peinture et notamment la peinture occidentale. Il avait étudié la peinture occidentale à Tokyo et puis il est venu en France très tôt. Il a séjourné à Pont-Aven, par exemple. Vous avez entendu parler de l'école de Pont-Aven. Donc il s'intéressait vraiment à la peinture française de l'époque. Et il a vraiment peint dans les années 10, je veux dire 1910, dans l'esprit de cette peinture-là. Ensuite, il s'est marié avec une jeune Française qui, elle, de manière un peu symétrique, était passionnée de Japon. Ils se sont mariés à Tokyo en 1914 et quelques années plus tard, ils sont venus s'installer en France. L'installation dans ce château date de 1926, c'est ça ? Oui, vous avez bien appris votre leçon. 1926, exactement. Le travail, crois-moi. Mais oui. Écoutez, oui, 1926 et Toyosaku Saito est mort ici en 1951. Donc il est resté exactement 25 ans. Et sa veuve donc lui a survécu quelques années et a vendu la maison à mes grands-parents quelques années plus tard. À Venvel, Saito a peint d'une manière un petit peu différente, probablement plus libre, plus libéré des influences qui s'étaient exercées sur lui. Je crois qu'il a vraiment peint comme il avait envie de peindre. Et vous verrez sur ça. Vous avez un exemple, par exemple, pour nous oui, détailler votre propos. Par exemple, ceci, vous voyez, c'est probablement un tableau qui a été peint pendant qu'il était à Venvel. Enfin, c'est même certainement un tableau qui a été peint à l'époque où il vivait à Venvel. Et là, on peut voir des influences assez diverses. C'est finalement quelque chose d'assez personnel. C'est un paysage qui est très clairement, directement inspiré de la campagne environnante. On distingue un je ne sais quoi de japonais. Japonisant, de complètement japonisant, parce que les arbres, ça fait presque, on dirait l'impression de bonsaï ou le pont qui fait un petit peu... Voilà, regardez cet arbre fruitier en fleurs juste à côté. C'est un petit peu la même chose. Il y a un côté un petit peu impressionniste dans le traitement de la lumière. Et puis en même temps, en même temps, un petit peu estampe japonaise. Voilà. Donc je pense que c'est quelqu'un qui, au fur et à mesure que les années ont passé, s'est un peu libéré des influences qui avaient pu jouer sur lui et qui a peu à peu finalement trouver son propre style, sa propre manière. Et c'est une fierté pour vous qu'un peintre japonais ait travaillé dans ce lieu et vécu ici ? Une fierté, je ne sais pas, c'est en tout cas... C'est une richesse, voilà, c'est le terme. C'est une richesse de voir que cette maison finalement a pu inspirer des gens
d'horizons très différents et donner du bonheur finalement à des gens très variés. Voilà. Et ces œuvres de Saïto, elles sont exposées à l'intérieur du manoir ? Non, alors les œuvres de Saïto, elles sont pour la plupart d'entre elles au Japon, notamment au musée de sa ville natale, qui est le musée d'art moderne de Saitama, où il se trouve que j'ai eu la chance de pouvoir me rendre, d'être accueilli de manière extraordinaire par l'équipe du conservateur de ce musée. Qui nous a d'ailleurs envoyé des images en haute résolution des différents tableaux qu'ils détiennent dans leur réserve, qui sont projetés ici. Absolument, juste derrière nous. Oui, qui sont juste derrière nous. Voilà. Voilà, donc la plupart de ces tableaux sont au Japon, dans certains musées de Tokyo aussi. Et en France, il est probable qu'il y en ait, mais je n'ai jamais réussi à mettre la main sur... Alors, il y a deux petits tableaux qui sont exposés ici, mais qui sont pas... Vous parlez de la poule et de la nature morte Et de la nature morte, oui. Et de la nature morte, oui, 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 oui. Voilà. Une véritable richesse. Voilà. Une véritable richesse. Donc les gens peuvent venir visiter les lieux jusqu'à quand ? Les gens peuvent venir... Alors, nous ouvrons la maison officiellement, et ça, vous pouvez le retrouver sur le site de l'Office du tourisme de la Vallée du Loir. Je crois que cette année, c'est du 6 août au 30 septembre. Et c'est 5 jours par semaine. Je crois qu'on ouvre tous les jours, sauf le lundi et le mardi. Et si ma mémoire est bonne, c'est de 10h à 16h. 10h à 16h. Je pense que vous trouvez sur le site également mon adresse mail. Il est possible de m'écrire et on pourra toujours échanger avec vous. Échanger avec moi et de convenir d'un jour de rendez-vous. Voilà. Écoutez, formidable et bravo et merci beaucoup Emmanuel. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.